Hey, salut! Bon, aujourd'hui, comme il y a eu pas mal de changements sur le sorcier, j'ai dû, pour le serveur Slam, changer totalement mon build puisque le build cooldown ne fonctionne plus malheureusement. J'ai donc décidé de partir sur un build qui a été fait par Substractem, c'est un YouTuber PoE qui fait des guides et qui théorycraft des builds. Très très bon YouTuber. J'ai décidé de faire un peu comme lui, c'est-à-dire un mage corps à corps, et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, les dégâts de notre build vont principalement reposer sur décharge électrique. Donc c'est pour ça que ce sera un build corps à corps, puisque décharge électrique va faire qu'on va lancer 5 éclairs foudroyants qui vont se propager sur le sol et infliger chacun 167 points de dégâts. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir shotgun et les 5 vont pouvoir tous toucher la même cible, ce qui fera énormément de dégâts. En plus de ça, quand on va toucher au moins 3 cibles avec une seule utilisation, ça va déclencher une nova de foudre qui infligera encore plus de dégâts aux adversaires à proximité. En plus de ça, quand on touchera un ennemi avec cette décharge électrique, on va réduire les dégâts qu'elle subit de 20%. En générateur, on va prendre éclair de givre qui va glacer les ennemis, leur infligeant un peu de dégâts, et quand les cibles seront glacées, et qu'on va les attaquer, ça aura 15% de chance d'exploser, et donc de faire des dégâts aux cibles à proximité, et à 100% sur les cibles gelées. On prend celui-là surtout parce qu'on va générer 4 points de mana en plus quand on touchera des cibles glacées ou gelées. On va prendre boule de feu, mais j'y reviendrai après. Ensuite, on va prendre le bouclier de feu qui va nous rendre invulnérables et qui va aussi nous aider à clear des packs de temps en temps, donc toutes les 20 secondes. On aura une immunité pendant 2 secondes. En plus de ça, on va prendre ce qui augmente notre vitesse de déplacement de 25% tant qu'il est actif. Et ça va aussi remplacer une potion puisque ça va nous rendre 50% de nos points de vie manquants quand on l'utilisera. On prend la téléportation pour se déplacer plus vite. L'armure de glace pour être un peu plus tanky. La Nova de givre pour geler les ennemis, mais surtout pour les rendre vulnérables pendant 4 secondes. Donc ça va nous permettre d'être un peu plus tanky puisqu'ils seront freeze pendant 3 secondes. En plus de ça, tuer des cibles gelées va réduire son cooldown, donc ça c'est normal, on le prend pour passer surtout sur la Nova de Givre Mystique qui va faire en sorte qu'on rende les cibles vulnérables pendant 4 secondes et 6 secondes si la cible est un boss. Et enfin, on n'a plus rien en fait. On va juste se concentrer sur ces 3 grosses nodes et tous nos dégâts viendront de là. Donc boule de feu, pourquoi je l'ai pris et pourquoi il est niveau 3 alors que je l'ai même pas dans mes barres, comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai pris tout simplement parce qu'on va prendre son enchantement, ce qui va nous aider à clear. Donc ça, on n'en aura pas du tout besoin sur les boss. Par exemple, quand on fera Ashava, qui pop à 18h, by the way, on va changer ça par certainement bouclier de feu. Et aussi, les 3 points de talent qui sont dedans, on va aller les mettre dans l'armure de glace. Et prendre les dégâts infligés aux cibles vulnérables contribue à 50% de la barrière. Donc ça va nous rendre un peu plus tanky. Et c'est surtout l'armure de glace renforcée qui va faire que ça augmente notre régène mana. Donc on pourra un peu plus spam nos sorts. Le troisième point de talent, soit dans le générateur, je pense, soit peut-être dans la barrière de glace pour augmenter son efficacité, ou dans la Nova Givre pour réduire son CD. C'est un peu au choix ce dernier point, peut-être même dans un des passifs, à vous de voir. Donc voilà, le build fait énormément de dégâts, il est plutôt tanky, donc sauf quand vous faites freeze en boucle, mais vous avez deux choses pour vous faire sortir des freezes, le TP et le bouclier de feu. Donc là, je vais aller me rendre dans un donjon random. Je vais prendre celui-là parce qu'il est juste à côté. Puis je vais vous montrer un peu comment il marche. Un petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est dans les options et dans les commandes, si vous êtes sur PC, vous pouvez ici cocher, enfin décocher plutôt, le fait de combiner se déplacer, interagir et les emplacements de compétences de base. Moi, ça m'a permis ici de mettre se déplacer et interagir sur clic gauche, mais d'avoir ma compétence de base sur F. Ma compétence principale sur clic droit, et en fait, c'est pour ça que ici, au lieu du clic gauche, j'ai F et je mets mon générateur sur le clic droit, et ici, mon clic gauche est désactivé, donc ça fait que quand je voudrais me déplacer et qu'il y a un mob sur mon curseur, ben, ça va juste forcer le déplacement et je pourrais me déplacer plutôt que de l'attaquer sans faire gaffe. Donc là, comme vous voyez, on a pas mal de mobs qui sont paquets. Je vais mettre un R. Et en fait, ils ont tous explosé, et ça, c'est grâce à l'enchantement de la boule de feu, qui fait que lorsqu'on tue une cible, elle explose en une boule de feu qui inflige 50% de ses dégâts. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été la prendre, pardon, ici niveau 3, pour augmenter ses dégâts et faire en sorte que mon clear soit bien plus confortable, sachant que la décharge électrique est surtout mono-cible. Donc, je vais avancer dans le donjon.
Donc vous voyez que ça fait pas mal de dégâts. Donc mon stuff est pas non plus incroyable. J'ai qu'un seul légendaire, c'est celui qui nous donne pendant la campagne. Et c'est juste un légendaire pour super moins de dégâts. J'aimerais bien faire un gros pack pour qu'on voit bien l'effet de la boule de feu, qui est vraiment sympa. Là, tous les paquets sur l'élite, ça pourrait être cool. Voilà, j'ai déclenché, puisque j'allais mourir, j'ai déclenché mon bouclier de feu, et ils sont tous morts. Je suis freeze, TP. Ouais, je me suis pris deux freezes. Le premier, je me suis mis immune grâce à mon bouclier de feu. Le deuxième, je me suis mis immune grâce au TP. Donc c'est pas mal pour ça. Vous voyez là, ils ont tous explosé. Ce qui fait que l'élite s'est fait défoncer. Et donc, c'est pour ça qu'on reste toujours au corps à corps, c'est pour que les cinq petites bouboules, là, puissent toutes toucher la même cible. Ce qui va faire énormément de dégâts. Je pense que c'est l'un des skills qui fait le plus de dégâts sur le sorcier actuellement. Il y a un autre build, c'est un build mur de feu, mais je l'ai essayé et j'aime pas du tout le feeling du sort. Ça fait beaucoup de dégâts, mais il faut que les monstres restent sur place. C'est pas très agréable à jouer, je trouve. L'enchantement de boule de feu est particulièrement agréable quand on couple avec un pylône de conduction, là, celui qui nous transforme en petite boule d'énergie. C'est assez incroyable puisqu'on profite toujours de l'effet de l'enchantement et on fait tout exploser, donc ça donne vraiment un clair de fou. Vous verrez si vous essayez le build, quand vous aurez ce pylône, c'est assez incroyable. Allez, paquez-vous. Paf, paf, paf. Et c'est assez sympa de les voir tous exploser, on en tue un et ils explosent tous, c'est assez cool. C'est pas le meilleur clear, mais quand ils sont bien paqués, c'est vraiment pas mal. Ça fait beaucoup de dégâts. J'ai toujours pas eu la chance d'affronter le boucher, malheureusement. Je n'ai pas assez de mana. Et boum! Ils font mal. Ouais, les petites réactions en chaîne sont vraiment cool. Petit event. Bon, je disais que le build est assez tanky, ça reste un sorcier hein, malheureusement. Vu qu'on a plus tous les cooldowns, on peut plus être en perma barrière tout le temps. Ce qui fait que ben, finalement... par rapport à certaines autres classes, on reste assez squishy. Mais, on a des potions, et vu qu'on fait beaucoup de dégâts, les potions reviennent assez régulièrement. C'est fait pour ça. Bon, c'est bon maintenant ? Oh bah, parlons du loup. Je sens que je vais me faire découper.
Il est horrible. À l'aide. Aïe. Aïe aïe. Trop dur. Beaucoup trop dur. Bon, ça je le laisse dans la vidéo, hein, c'est cadeau. Je vois pas comment on peut tuer le boucher en solo comme ça, avec si peu de gear. C'est surtout au niveau 20. Ouais, donc plus on va passer en niveau, plus ce sera compliqué de tuer les gros mobs comme ça. Terrible. Puis nous enchaîne quoi, donc ouais, faudra que je comprenne comment il fonctionne, parce que il doit y avoir moyen d'esquiver ses dégâts, mais ouais, je sais pas. Mince, y a pas de boss ici. Bon, je vais vous mettre un petit footage du boss Was the Malnok. Je l'ai one try, sachant que j'avais pas encore optimisé mon stuff. Enfin, optimisé, ça met un grand mot. J'avais pas encore augmenté le niveau de mon bâton, qui là est amélioré en 3 sur 3. Et puis, c'était assez facile finalement. C'est pas les boss généralement qui font peur, sauf le boucher, hein, bien entendu. Mais voilà, le boucher c'est un peu un cas exceptionnel. En ce qui concerne le leveling du build, avant d'avoir les bons sorts et notamment l'enchantement, je jouais plutôt un build éclair de givre, c'est toujours bien, et je l'avais couplé à l'orbe gelée qui a un gros coverage, donc qui tape dans une grosse zone. J'avais pris du coup orbe gelée renforcée et l'orbe gelée qui a une chance de rendre les cibles vulnérables. L'orbe gelée, c'est pas mal parce que au début, on n'a pas beaucoup de clean. Et donc le fait que le sort ait une grosse AOE, c'est pas mal pour aller vite dans les actes. J'ai trouvé en tout cas. Puis ça fait pas mal de dégâts. Et dès que j'ai eu mon enchantement, j'ai pris l'enchantement sur la Fireball. Et je suis parti sur des charges électriques, ce qui me permet d'avoir un bon mono-cible. Mais aussi un bon clear grâce à l'enchantement de la boule de feu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à stuff votre sorcier. Donc là, le gear, comme vous avez pu le constater, dans le serveur slam, c'est pas la même. Hein. Il pleut pas des légendaires. Des légendaires, j'en ai eu que un, je crois. Il était nul, du coup, je l'ai death juste pour avoir un skin. Et ouais, c'est compliqué de loot. Mais c'est bien parce que je trouve que dans un jeu où on est que niveau 20... Looter des légendaires tous les deux packs, ça fait un peu beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Un petit like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais continuer à grind sur le serveur Slam et n'oubliez pas, à 18h, Yakitava. Allez, salut!